Donc nous voilà sur la Via Ferrata de Avoria Sec du Tour, qui est côté D et qui monte pendant 3 heures. Voilà le petit cadre d'Avo. Allez, le start, le C du Tour, ou le Sex du Tour si vous voulez. Nous nous en allons vers les cieux. C'est joli, dis donc. Je kiffe la montagne. Si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais tous les jours. Ah, et ça y est, j'ai la transpi dans les yeux. Ah ah ah. Ça pique, mais c'est pas grave, je vais gérer. Bon, ouais, pas besoin d'être attaché là. Bon, normalement, on dit, c'est pas parce que ça paraît facile qu'il faut se détacher, mais bon. Voilà, c'est là que ça commence. Si je peux me permettre, monsieur. Oui, à l'endroit à l'envers. On m'a dit dès le début, il faut en mettre un endroit. Ouais. Non, mais je crois que c'est surtout pour éviter de l'enlever par. Par mégarde. Exactement. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Oh, pour le coup, il n'y a personne. Pour l'instant, c'est cool. On a une super vue sur Avo. Avec. Morzine là-bas, et puis Léofort, ça doit être celui-là qui est juste devant. Et le Buet, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est devant moi là-bas. Je balance une fiche en haut à droite là, boum, voilà. Ça y est, ça grimpe. Ça commence à grimper. Donc bah là, comme vous le voyez, c'est une vie assez simple pour démarrer. La vue reste très agréable à regarder. C'est chouette de se sentir comme un chamois. Allez, on commence à prendre de la hauteur. On grimpe un petit escalier. Hop. En vrai, si on continue comme ça, ce rythme, dans une heure, c'est plié. Hein. Un peu de gaz. Ah, il y a des gens là-haut. Ça y est, ça bloque. Coucou. Ah, c'est sympa là, j'aime bien ça. Vous avez vu mes chaussettes toutes roses, regarde. Mignon, hein. Allez, la Juju. 4 est vachement chouette. C'est chouette. Commence à avoir des beaux paysages. Alors je suis pas sûr, mais il me semble que c'est l'arrivée qu'on voit là-haut, avec un pont népalais ou un pont de singe, je vois pas trop d'ici. Ça va être sympa. Comment elle va, Juju? Bah nickel. Super. Ouais. On est monté vite, hein. Ah, c'est sympa ce passage. On doit chercher un peu les prises. Ah ouais, mais ça grimpe là, c'est cool. Nickel. Alors, ah, c'est une sortie ça. D'accord. Bah, on peut soit passer par le difficile ou le peu difficile. Nickel. Ok. Ok. Super. Oh, téléphone qui est tombé.
Bon bah je suis reparti, la collègue Julie m'attend depuis 15 minutes. J'avais fait tomber mon téléphone, je peux aller le chercher. C'est un peu galère mais c'est bon. On y retourne. Hop. Faut absolument que je trouve un moyen de trouver que mes lunettes arrêtent de glisser. Bon, il y a un petit peu de gaz, mais pas trop trop, mais il y en a un peu. Allez, on est descendu pour remonter. Donc là, ça devient un petit peu plus technique, c'est du D+, mais ça nous plaît, nous on aime bien ça. Waouh! Sympa, sympa. Hop là, retour, 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 voilà. Ça veut pas rire les marmottes là, hein. Voilà la dernière montée. Et ben c'était sympa. Il y avait un peu de gaz par moment, de légères difficultés. Ça tire un peu sur les bras, mais pas trop. C'était pas mal. Bon bah voilà, la Via Ferrata de Avoria c'est fait, elle a été côté D avec une petite partie des plus. Faire attention quand même, il y a les quinguilles si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre d'activité. Ça vous coûte 45 euros par personne. Et moi je vous laisse sur cette magnifique descente dans la verdure juste là. La collègue Juju qui est là-bas. Ciao.